Hello, allez, on est parti, on continue l'explo. On a encore quelques quêtes à faire, quelques... Non, au niveau des... Au niveau des mécanismes, je dois plus avoir grand-chose. Enfin, des mini-jeux. Here's your two magic tonics. Why, thank you, young lady. And might I add that you're looking quite lovely today. Jean, come on, take a seat and let's have a drink. I ordered one for you as well. But is this really appropriate? I mean... Still worried about Klee? Relax, Albedo's with her. She'll be fine. Oh, look who it is. The Traveler and Paimon. You must be the pleasant surprise that Miss Alice told us about. Greetings to you both. This is one place I didn't expect to run into you two. The locals here have been talking non-stop about some brave heroes who saved the world. Let me guess. You two have been up to your old tricks. Well, not just us. We only played a small part. You could say we were two members of the Heroes Adventure Team. Still sounds mighty impressive to me. As ever, our honorary knight is making us proud wherever they roam. That's right. We received a letter of invitation from Miss Alice, proposing that we take Klee for a vacation in Fairyland when work dies down. I wasn't sure what she meant by Fairyland at first, but if my eyes are not deceiving me, she was being quite literal. Klee ran off excitedly as soon as we arrived. I'm a little worried about her, but Albedo insisted he would look after her while we do our own thing. We could hardly say no to such a considerate offer. So I took it upon myself to bring Jean to the nearest tavern we could find. Any excuse for a drink, huh? Well, we are on vacation. It's only fair that we get to indulge ourselves a little. You're right. I should make an effort to relax and unwind. It's what Miss Alice would want, after all. Oh, wait, Kaya? What exactly did you order from the bar? The house special, of course. Best way to get a taste of the local culture. Why are you making that face, Paimon? Nothing. Paimon's just perpetually amused by lifestyle, that's all. Go on, drink up! Something tells me I need to tread carefully here. Let's see, it's got a lovely color, but how about the taste? I think maybe I'll pass, but it's such a shame to waste it. All right, Paimon. Well played. Well, Paimon got burned too, if it's any consolation. It's nothing personal. Oh, by the way, we weren't the only ones who got invited here. I saw Kale earlier. She didn't see me, though. She was making a beeline for that big tree. The Kingdom of Breezes and Bells, you mean? Oh, this is turning into a huge reunion! Maybe we should go say hi to her! All right. Well, give her my regards. Thank you. Enjoy your time here, too. Thank you.
Et salut, Shiryuku. Eh bien, écoute, ça va. J'en étais pas trop mal. The structure of the treehouse is here is nothing short of amazing. I have to write it down so I can tell Master Tainari all about it later. Hey, Kale. You scared me. Traveler and Paimon? You got invited here too? Yep. Well, they sort of skipped the invitation part, but anyway, what you doing out here? Something caught your eye? Oh, yeah. I'm trying to observe and summarize the structures of the trees here, and also the animals that live here. Well, the residents, I guess? I still can't get over the fact that they're all someone's origami handiwork. Once a forest ranger, always a forest ranger, huh? Not sure you'll be able to apply much of what you learn here back home, though. With this being a magical world and everything... What? Over there, by the giant footprint, have those houses always been there? Oh, those? The local flying squirrels told me that they were built by a small dragon and some guy wearing a hat. Oh, that must have been Mini Durin and Hat Guy. Any idea where they went? Supposedly, after building the houses, they went to somewhere called, Constellation Metropole? Did I say that right? Yep, you got it! Oh, also, when the locals mentioned the dragon, did they seem at all, did they say how they felt about him at all? Hmm, now that you mention it, the atmosphere changed a little when they talked about him. Oh no! They mentioned some stuff along the lines of past misunderstandings and welcoming new members. I only just got here, so I know very little about what has happened in the past. They seemed genuinely grateful for the houses, though, and said they were going to plan a welcome party. Oh, thank goodness. Phew. Sounds like the forest has begun to accept him. It's a step in the right direction. Are you looking for that small dragon? Yeah, he's a new friend we made after we arrived here. No way! Really? I'm getting more and more interested in your story. No, no, no. I've got to save it for next time. For now, I've got to make the most out of my time in this wonderful world. Oh, there's no rush. Just take it slow and enjoy yourself. Like Kaya! Oh, he sends his regards, by the way. Oh, Mr. Kaya is here too? Then... I've got to go say hi to him! Well, right now he's at the tavern and he probably won't be leaving until he's drunk. Not that he'll ever reach that point because his alcohol tolerance is so high. Basically, it's Kaya, you know where to find him. You make a good point, Paimon. Then I'll focus on exploring for now, and go catch up with him later. Shall we go pay a visit to the Metropole Traveler? Maybe Mini Durin and Hat Guy are still there! Oh, right! By the way! Something pretty interesting has been happening in Sumeru recently. Master Tainari has been working really hard on it, so if you have time, definitely go and check it out. Sounds good. We'll find some time in our schedule. Of course. See you later. Okay. Ah, cool ça. Ah, puis plus tu vas avancer dans l'aventure, et puis tu vas... Je pense que vous allez accrocher, ouais. C'est un très bon jeu, ça. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide que tu testes le jeu. Alors, là, on a... Non, ça, c'est le... semble avoir vu le logo du mini-jeu, ouais, c'est ça. Ok.
Ok, alors. D'accord, bah écoute, j'espère que tu seras satisfait par le jeu parce que bon, j'ai pas trop de doutes sur le sujet. Il est très très bien fait ce petit jeu. C'est en haut ou en bas du coup. Par contre le bâtiment est séparé là. Ouais, je le sens pas, ça va être ici. Is fine, but I'm not sure I can say the same about my eyes. Look! Look at this statue! What? Is it broken or something? Looks fine to Paimon. That's your master, right? AKA the goddess of prophecy? I refuse to believe it. There's no way that old hag looks anything like this. When she was younger. Oh, actually, now that you mention it, this does remind me of the fashionista phase she wrote about in her diary. She can't hear me, can she? I swear I just got chills down my spine. Either way, it's probably a little rude to talk about her right under her statue. But how do you know it's a statue of her if you never saw her as a young woman? I did a quick scry when I came into this world, and when I saw the star's reflections, I was at a loss for words. It looks like fate in Simulacra is based directly on Teyvat. A projection of real-world fate to form an image of reality. Or in layman's terms, basically the creator made this world inside a mirror or a lake, and this world is the reflection. Still sounds pretty impressive. The more I scryed, the more familiar. It's her work, there's no doubt about it. Even so, everything's far more complex than I'd imagined. Trying to decipher it all is giving me quite a headache. I also asked the locals about her. They call her she who has dominion over the stars and the course of fate itself. Not even a pretense of humility. Clearly, she let the role of creator goddess get to her head. Not that I'm surprised in the least, of course. It certainly matches the tone of her diary. Anyway, we should change the topic. Oh, so Mona, have you seen this small dragon around here by chance? He's about the same size as Paimon, but with tiny little wings. Ah, you mean the one that caused all that trouble. I haven't seen him for myself, but I heard that he came to the Metropole not long ago to formally apologize for his actions. Apparently, he brought a huge stash of Toitanium and plant oil to make amends. Most people accepted his apology, although there are some who said that they'll reserve judgment until they've seen how he acts in the future. Oh, okay. Do you know where we could find him? One moment. It looks like he's at the Broken Sea. There's a big group of people with him, too. Cool!
Wanna come with us? We can introduce you. I think I'll sit this one out. This might be the closest I ever get to meeting the old hag in her youth, so I think I'll spend some time seeing what else I can glean from her grand design. You guys have fun. What do you mean, be careful? Now you're making me nervous. We'll be off now. See you later, Mona! Okay. Osvaldo Hafnabines! Dost thou see what I am seeing? Tell me that my all-perceiving Aug de Vererteleung deceiveth me not! C'est marrant qu'on a une histoire sur un petit dragon. Ou un dragon tout court, hein, j'ai envie de dire. Et puis justement que la prochaine extension ait rapport avec les dragons. Greetings, O Night Dragon from the land of the Thousand Stars and his hat-wearing servant. Who did you just call a servant? What main Fräulein means to say is, hello, it's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. But Hat Guy's not my servant. He's my friend. Now you're over-explaining. Hat Guy, Minnie Durin! Found you at last. Whoa, and Fischl's with you too? Oh, greetings, Outlander blessed by the Imanakreish. How honored you are to meet your princessin beneath the stars of another sky. Clearly a decision made by fate itself. Miss Honorary Knight, Paimon! Greetings. You both look well. Been having fun here. Yep, loads and loads of fun. There are so many cute animals and a magic train that was really cool. And a huge, huge castle, and a king lives there and everything. I've been taking Klee to see all the sights. It's been a very enriching experience. Alice's magic is truly outstanding. Yeah, Mom's amazing. Klee wants to build a great big house now, too. So, your mom and my mom were friends? Mm-hmm. Our moms were friends, which makes you my big brother. My mom used to read your mom's stories to me all the time. They were great. Big brother? Wow! Thank you, Klee! Can I go play with Klee, Hat Guy? Suit yourself. Albedo! Albedo, can I? Go on. Just don't go too far away. I'll come pick you up later. Yay! Come on, Minnie Durin! Do you want to come play with us too, Fischl? Your princessin accepts your invitation! Rejoice! Though you may be concealed by fog, still you shall have the good fortune to witness the true might of the Aug de Vererteleung. What main Fräulein means to say is, perhaps we can all play. Ah, t'as des questions qui sont dures. Main Fräulein is it. Hooray! I love hide and seek! Oh, me too! To return to our previous discussion, Mr. Hat Guy, you were telling me about a prophecy? I heard B talking to M. What she said was... Since you're so persistent, let me tell you a secret. Our child
Ah ouais, ça c'est une question très très compliquée. Is she saying that Dragon Spine Durin will come back to life? I only heard it in a memory, so don't hold me to it. Understood. My recent observations at Dragonspine lend credence to this prophecy as well. Durin's heart has slowly but surely been growing in vitality. The process is extremely slow, but the trend is clear. What should we do? To start with, plan for every potential scenario, including, of course, the worst case scenario. Donc j'aurais dit ouais, celle de Naida. I am well aware of Durin's past, and I sincerely hope that things never escalate to that point. Still, we need to be prepared for every possibility. If the prophecy is true, je trouve l'histoire incroyable déjà. One day beat again. I'd like to hope that whatever. Je trouve qu'elle est quand même bien chargée d'émotions, je trouve. If you understand what I mean. Kind of, but not really. And so, when the time comes, c'est celle qui m'a le plus touché, moi je trouve, je dirais. Would you and Simulanka's Durin be willing to lend us a hand in our hour of need? Huh? What's this got to do with me? You saved the Durin of this world. I don't see that as a mere coincidence. If there is any meaning to be read into the actions of the three goddesses, beyond fairy tale whimsy alone, I can only boldly speculate that the fate of this reflected world may have a reciprocal effect upon our own world. If Durin of Dragonspine will soon c'est ce qui est bien d'ailleurs avec les crêtes de Darkon, il y a toujours des choses. Toujours toute une histoire derrière qui est. C'est vraiment très sympa à chaque fois quoi. Well, that's a nuisance. To be sure, it certainly won't be easy. Albedo, Albedo, there's a flying paper ship over there. Can we go see it together, please? Sure. Two seconds, I'll be right with you. Please give my suggestion some thought, Mr. Hat Guy. Hat Guy, I'm back! Huh? What were you guys talking about? Nothing. Huh. Okay then, let's go join the others. Everyone's going to check out the new origami ship. All right, I'll be right there. Why would I be? Do I strike you as someone who cares about other people's issues? Quit trying to guess what I'm thinking. I'm leaving. Oui, oui, ah bah, de toute façon, oui, oui, elle est très sympa aussi, celle de Fontaine. Elle est très sympa, je pense que je la mettrai bien en deuxième, ouais. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Ce qui me fait un peu bizarre plus, c'est le. C'est finalement le. Le jeu de l'Archon, quoi. Qui est un peu. Ah, l'Archon n'est pas vraiment l'Archon et. Même si c'est bien tourné, ça me fait un peu bizarre, quoi. C'est pour ça que je ne l'avais pas devant. L'histoire de Naida, je trouve qu'elle est hyper complexe finalement. Let's go with the Durin. Huh? You want to name it after me? Oh, you mean to autant dire qu'il me tarde de voir celle de Notlan. Parce que je pensais que. Ils avaient dû avoir du mal justement à trouver des histoires, mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus de doute. Ils vont nous trouver une histoire de dingue. Go on. Remember how Mom's friend said I should be able to leave this world? Well, I want to pay a visit to your world. Just a quick trip, can we? Huh?
Is that a no? Paimon thinks that's a great idea. If the people of Simulanka are allowed to go to Teyvat, then what's the problem with taking Miniature in there for a while? Ah, oui, ça c'est sûr. Ne sois pas décevant, oui, putée. Oh, je pense pas de toute façon. Je pense pas qu'il le sera, mais. C'est vrai qu'on l'attend vraiment, quoi. Ça. Comment je suis d'ailleurs? C'est mercredi prochain. Ouais, normalement ça devrait le faire. Je devrais pouvoir live. Ouais, très bien. Non, ils peuvent pas décevoir, hein, pas à ce niveau-là. Après, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est que là, finalement, c'est le dernier archon. Je les vois pas arrêter le jeu. Donc du coup, après, de toute façon, l'archon, il y a la... Il y a une dernière partie de l'histoire, évidemment, mais comment ils vont continuer, quoi. Parce que je les vois clairement pas arrêter, quoi. What Main Fräulein means is that you're always welcome to visit her at home as well. Cool. Parce que là, du coup, on en a jusqu'à l'été prochain. Are you done yet? If you want to leave, then get over here. Thank you, everyone. Thank you so much. Après Célestiane, logiquement, ou une bifurcation sur autre chose. C'est là que la question se pose, quoi. Next time, it will be my turn to make your wishes come true. C'est comment ils vont faire après. Rendez-vous dans la ville de Sumeru. Ah bon. Ok. C'est quoi? Et donc là c'est fini. Ok. Allez, mais de toute façon, on va continuer les outils. Ça nous permettra d'explorer. Combien de personnages au total? Beaucoup. Beaucoup. Archives des personnages. 6, 7, 8. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 28, 33, 36, 38, 48, 57. 57 personnages. Mon dieu. Ouais, je trouve ça énorme aussi. My face.
bizarre les deux en haut. Non. Ok. Il te manque 2 4 étoiles. Je sais même pas s'il m'en manque des... Si il m'en manque des 4 étoiles, je pense. J'ai pas fait attention ça. Ah oui, c'est vrai. C'est Tos. Ah oui, il m'en manque plus que ça, ouais. C'est Tos. Chevreuse. D'accord, Mika, j'ai pas. Ok. Ouais, mais il manquerait 3 quoi. Manquerait, si j'ai bien vu, il manquerait Mika, Chevreuse et Cetos. Ça, c'est incroyable, ouais, c'est vrai que j'aurais jamais pensé qu'il manquait si peu de perso. Donc il n'y a rien là. C'est bizarre, c'est quoi, il y a une grotte dessous, ça n'a pas l'air. Time to go. Ah ok. Du souterrain. Summers, winters, springs, and falls, and now, at last, a hero hither strides. Israel knows not what lies beyond its walls. Its secrets mystify the world outside. Wait, new voices. Who are they? Okay, une page devant.
As golden sunlight fills the firmament, the tabletop engrosses your attent. Perhaps perchance peruse these pages thence. They surely represent no ill intent. Why isn't she reading files on the desk? Hey, Boberano, maybe quit showing off and try using words she'll actually understand? I'm captivated by the epic poetry and enthralled by the outstanding storytelling. The Outlanders knew what their next objective was. Namely, to remove the clockwork key from the ra- Stop the poem! We have a situation. Something's up with this person. Traveler? Are you all right? Come on, you can do it! This can't be how our story ends! Ah oui. Bon, après tu pars pas longtemps. Hein. Au pire, tu feras au retour, c'est pas non plus. Can I give you a hand or a tail, even? Cabe, I just realized you said we all had to speak like bards, but every time you open up your mouth, I don't hear any rhymes. Yeah, I noticed that too. It's one standard for us and another for you. That's not fair, Cabe. With wood and earthenware strewn all around, the demon feline's fury can't be quelled, reducing them to rubble on the ground. No, you don't. I wrote that line. Don't start plagiarizing me just because you can't take a... Strong as stone, firm as steel. The Outlander pulls, but it does not yield. This has happened many times before, but this time it's different. A thought enters the Outlander's mind. The attack now over! Only one final step remains! Now it is the time to see... But alas, as was the case for all those who came before, the key still did not move an inch. Wait, what? They got it out? Yes! C'est vrai que oui, Tenshin, son téléphone, j'ai vraiment du mal, moi. Mais je m'en sers que pour les vacances, pour faire les quêtes journa. Mais c'est vrai que sur téléphone, j'y arrive carrément pas, quoi. Welcome, esteemed and noble Outlander. Allow us to introduce ourselves. We represent the three great clans of this realm, having been selected as its authorized historical supervisors. Our purpose being to await the arrival of one such as yourselves who shall remove the clockwork key. My name is... You're Cape, he's Albizzi, and that's Boberano, right? You've done so much talking that we can already tell you apart by your voices. Aren't we missing someone, though? The guy who led us here to begin with? Who? And thus was born the long-awaited fellowship, destined to uncover the truth of the past. Allow me to quote, if I may, in the history of Constellation Metropole, a new page has begun. Him. Well, there's no fourth person, so which of you is the ventriloquist? Come on, out with it. We've never heard that voice before. But he sounds like he'd be good. J'ai une copine qui joue sur tablette. Et franchement, bravo à elle. Parce que elle s'en sort plutôt super bien, mais même s'en sort même très très bien. Et franchement, j'admire parce qu'elle joue. Elle joue vraiment très très bien, quoi. Je sais pas comment elle fait.
detailing the clan's origins. D'ailleurs, elle a 100% du jeu. 100% du jeu. Dragon? Sur tablette. Been acting up recently? Oh, no, not that one, you adorable little pixie. When I say dragon of old, he means a dragon that would be really, really old if it was still with us today, but it was defeated in ancient times. The new one has nothing to do with our clan history. Was that supposed to be a joke? Anyway, so you've been waiting for someone to remove the key so you can finally explore the truth of the past? Not just explore it, but argue incessantly about it. Honestly, I don't care that much. Cape's the one who's always bothering us about it. What we need to figure out is who resolved the dragon crisis. We have to know that before we can decide which is the supreme clan. The moment you removed the key from where it was lodged, you became the honorary Marquis. We humbly beseech you, noble Outlander. Noble Traveler Marquis, we ask you to help us. You and your talking Puss in Boots and the pale floating pixie. Puss in Boots? Are you serious? It's better than demon feline, but still. Embrace it, my friend, embrace it. Most cats don't wear boots or speak, do they? I'm not even a cat, I'm a Nekomata. Now that you know the word, I expect you to use it. Please allow me to lead you all. Ah to oui, bah, sûrement, oui, oui. It will be much easier to explain. Mais j'admire sur un si petit support. This place is sacred to my clan. It's where our brave forefathers once took up arms against the dragon. Autant tu vois les autres jeux comme Wuthering Waves, j'y arrive. Finally, our forefathers fought the dragon into submission, and it fled. Même si je suis beaucoup moins, enfin un peu plus à l'aise que sur Genshin, quand même. Mais après les autres, ça se compte pas parce que les gameplays sont pas les mêmes. Wait a second. Did I just hear you admit that your clan's history is just a legend? A history, legend, who cares? My clan was definitely courageous. That's the point. That's the truth. And isn't the truth what we've all been arguing about non-stop for all these years? Cape's words gave the traveler food for thought. Could it be that the truth in a fictional world is equivalent to fiction in the real world? But that would have to wait. Apparently, Cape was not alone in his pilgrimage to this sacred site. Unwanted company had arrived. The traveler and the talking cat, Nekomata, decided to teach them some manners. Yeah! One with nature! Transfixed! Wow. A true display of heroism and valor. It was as if the spirits of my your martial prowess and show of courage are a more vivid reenactment of my ancestors' feats that suit the modern aesthetic. Now, let's get down to business. As we all know, time is but an illusion. Time may flow line by line, page by page, or frame by frame. Usually, it flows in the form of springs and gears. And that clockwork key you have in your hand. Je pense que c'est le côté de pouvoir laisser une trace des jeux auxquels j'ai joué. Well, actually, my view is that the illusion of time is more of a problem of consciousness. Gears power the body. En premier, je dirais que c'est ça, c'est la laisser des traces de des jeux que je joue, avoir la possibilité de pouvoir les revoir. Et après, c'est j'ai envie de dire, c'est une deuxième façon aussi de rendre le jeu qui n'est pas un jeu en gros multijoueur, c'est un peu un peu la façon de le rendre multijoueur.
Parce qu'en général, tu vas rencontrer des personnes avec qui tu vas partager partager plein de choses, quoi. Et c'est un peu indirectement le live, un jeu qui n'est pas multijoueur, de le rendre multijoueur un peu à sa façon, on va dire. Paimon didn't follow all that, but basically, you're just saying that we need to put the key in and turn it all the way back? Exactly. It is said that in the beginning, the goddess of creation took the goddess of fate's manuscript as a blueprint, placed it under the goddess of prophecy's starry realm, and generated the world from a few magic arrays. So in a few moments, when the great clockwork key turns the local time here back to the very beginning, we will restore the magic arrays back to their original configurations. Hold on. Isn't stealing part of the blueprint of creation a little dangerous? Also, how are we supposed to know the original configurations of the magic arrays? Well, the general shapes of the configurations have been passed down over the ages. They now form the family crests of each of our clans. So you'll just need to reference my family crest and join the dots accordingly. To address your other concern, when the house has already been built, do you really think that taking away the construction crew and blueprint will cause it to collapse? The Traveler Marquis prepares to insert the Great Clockwork Key into the nearby keyhole. I guess we should start here? Why don't you give it another try? No. Non, je me rappelle... oui. Attends, c'était... Ouais, je vous le dis. Alors attends. C'était. Oh, je m'en rappelle plus. Fais voir. Ok, c'est ça. Alors ça fait. Behold, the sacred writings that record the truth of... No, wait. That have shaped the truth of history. Gather round and let us bear witness. Ah oui, mais de toute façon, les personnes qui live ont tous on va dire des buts différents. Je sais pas comment dire si c'est un but, si c'est une façon, une... voilà. Clairement, je cherche pas la monétisation, clairement pas du tout. D'ailleurs, si je cherchais la monétisation, il y aurait déjà la cam qui tournerait, alors que j'ai la cam et tout ça. Et j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on me voit, et en fait je le fais pas parce que c'est pas ça que je cherche. Tout le monde te dit, quand tu fais les lives et tout, que... si t'as ta tête qui apparaît, t'attireras forcément plus de personnes. C'est pas mon but premier, en fait. Mon but premier, c'est de passer un bon moment sur mon jeu, d'avoir une trace de mon jeu, et puis éventuellement rencontrer des personnes et discuter du jeu, les aider pour certains, si je maîtrise assez le jeu pour aider, et puis voilà, quoi. Mais voilà, c'est... And cheer, for this is the unquestionable truth. Look at the signature. Nobody is capable of forging that. I don't believe it. So, all along, our histories have been false? Don't lose heart, Albizzi.
It does not follow from his is true that ours are false. That might be the most bogus logic I've ever heard. But keep up the mental gymnastics, Boberano. I've been waiting for that look of jealousy on your face my whole life, and I'm gonna savor it. And yet, it seemed that this conundrum could indeed have more than one solution. Everyone agreed that there may be more than one truth. The party decided to visit the sacred sites of the other clans and see what their documents had to say. Isn't a narrator supposed to remain detached and objective? It feels like you're forcing a narrative agenda on us here. Well, whatever. I'm in a good mood. Let's do it. The instructions say to repeat the process 3 times, and besides, I'm looking forward to watching you both be sorely disappointed. Let's do my clan next. I'll lead the way. We'll need the key again, right? Let me see if I can pull it out. Alors, ok, on marche sur la narration. On l'a vu, on va être trop loin. The party finds no pedestal in which to place the great clockwork key, only a locked door. Where's your clan's pedestal? Oh, let me guess, you hid it away in advance to save yourself the embarrassment of having it exposed as a fake? You done? Okay. Now, since my clan's main claim to fame is... misinformation, half-truths, and fabrication. Ah, shut up, Cape! Shut up, Cape! I swear, if I wind up dead one day, the murderer was Boberano. Let those be my last words. My clan's claim to fame is that we outwitted the dragon of old and stole its treasure. Ergo, all articles of value that we own, tout à fait. Bah après, le contact est le contact, on va dire, avec l'humain est toujours toujours compliqué, hein. Et pas facile. There's one step before that. The door is protected by a smart interrogation. Après, les réseaux de ce type-là permettent de franchir des barrières plus facilement, quoi. Comprends. Après, il faut tomber sur les bonnes personnes aussi, quoi. Toujours pareil. Parce que, autant sur les lives... Alors, le problème, je trouve, moi, le problème des lives où de personnes, on va dire, connues, du coup, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, c'est qu'en fait, t'es limite un peu... On ne te voit pas, en fait, tu ne peux pas apparaître, tu poses une question, est-ce qu'elle va être lue par le flux de personnes qui parlent et tout, c'est souvent le bordel, quoi. The great yokai, Nekomata in boots. And the trusty travel guide, Pixie. Travel guide. Trusty travel guide. Question 2. By which virtue did the ancients defeat... Ouais, je sais que ça m'embêterait d'avoir trop de monde et de pas pouvoir répondre à tout le monde. Le problème, c'est que si tu réponds à tout le monde, tu joues pas, quoi. C'est, je sais pas, je me vois pas... Je me vois pas avec trop de monde en fait. Je préfère faire un live, on va dire, plus de qualité, essayer de répondre à tout le monde, plutôt que de faire quelque chose, on va dire, en masse et puis ne répondre qu'à quelques personnes, quoi. Ça me dérangerait, moi, personnellement, de... No, don't say that.
even though the writings you saw do prove that bravery has its uses. You do realize we can hear everything you're saying, right? If you say it out loud, you'll only set those three off arguing again. Thinking it is fine, but please promise me you won't say it. Question two. By which virtue did the ancients defeat the dragon? If this is the right answer, I swear I'll... Correct! What? A bare-faced lie. So low. Question three. Which is more real? The fiction of the outside world, or the truth of this world? Bah après, de toute façon, c'est ce que je te disais, c'est difficile. C'est difficile de trouver. Moi, tu vois, j'ai fait des lives et tout ça. C'est difficile de trouver les bonnes personnes pour arriver à discuter. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est dommage d'en venir là, mais c'est en fait, du moment qu'il y a trop de monde sur la. Tu disparais, quoi. En fait, t'as pas forcément les réponses, tu vas pas forcément avoir les conseils, ou alors tu auras des conseils un peu bâclés parce qu'il a pas le temps. Je conçois, mais je trouve ça dur, quoi. J'ai trouvé pareil, j'ai trouvé toutes mes réponses en général sur des lives où il y a très peu de personnes, ou voire voilà, enfin, on va dire un nombre correct que la personne arrive à gérer, quoi. Sure that the outside world isn't just a dream, and that when the dreamer wakes up, they won't just find themselves inside a novel. There is no way to know, therefore both are equally real. All correct. You may have the key pedestal. Après, moi, je serais pas bon de toute façon, parce que du moment que la question, on va dire, elle passe dans le, on va dire qu'elle est intéressante ou quoi, moi, je m'arrête de jouer, moi. Je préférais répondre en essayant d'être concentré sur ce que je vais dire, quoi. Ok. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai pas vu les autres là-bas. Ok, alors. Elaborate fiction the Clan of Wisdom was able to conjure up. If anyone's listening, I would like to submit these as my last words. I surrender. I'm the one who murdered Kamek. D'accord, bah écoute, si on va dire si t'as reconnu mon but comme ça, tant mieux. Parce que c'est vraiment ce que je cherche, quoi.
Après, moi, si je peux aider, voilà, si je peux discuter, voilà, mais comme je t'ai dit, ça m'embêterait qu'il y ait trop de personnes et que j'arrive pas à gérer le flux, on va dire, de questions et tout ça. Ça m'embêterait réellement, quoi. Given that my clan's wisdom is such a subject of ridicule in your eyes, I will now appeal to my own personal intelligence, which I believe far surpasses that of my clan at large, and make a prediction. It seems likely that the claims made by each of our clans regarding their history and virtue are all true. Après, clairement, moi, je suis plutôt simple, sans prise de tête, et je suis pas le plus fort. J'aurais jamais la prétention de l'être. Voilà, plutôt dans la simplicité. Passer un bon moment est mon but. Après, moi, clairement, je fais des lives, je suis tout seul et j'ai personne qui passe ni rien, mais moi, personnellement, je vis bien. Je vis bien, j'ai une trace de mon live, moi c'est... Ça me va. Je me prends pas la tête à faire des gros montages et tout. Voilà, j'y vois aucun intérêt. Moi, mon but est d'avoir une trace de mon live et puis basta, après le reste. Je fais pas ça pour justement en vivre. Et puis j'en vivrai jamais, ça c'est sûr et certain. Alors, ok, là il y a des coffres à récupérer. On prend. On aime les primos. Ok. Hop là, il y a quelque chose là-bas. Ok, c'était rien. Ok, si je fais... C'est quoi ça? Façonner. Ah, j'ai vu un truc comme ça. Alors attends, c'est quoi? C'est marqué sur la carte? Ah oui, c'est marqué. Ah, y a quoi? Ok, elles sont juste là. Ah, ok. Je pense que ça doit être un truc pour la sérénité hier, peut-être. Voyons voir. Ouais. Je suppose que la monnaie sert à ça. Ok, j'en ai eu deux. Je suppose que c'est une histoire de qualité, je sais pas. Alors j'avais vu un truc avec les statuettes. Alors, ah ben c'était ici justement. Voilà. Exposer les statuettes, ok. Ouais, du coup, je suppose que ça sert à ça. Ok, une seule. Ok.
Bon, pas de chance. Oui, mais alors du coup, je préférerais aussi avoir, on va dire, une communauté plus simple. Alors après, ça c'est indirectement, on le contrôle pas. Ce genre de choses ne se contrôle pas, mais c'est sûr que moi personnellement, si j'avais à choisir, je préférerais. Je préférerais être. Être moins connu aussi, histoire de pouvoir profiter des. Des personnes qui passent et pouvoir discuter beaucoup plus facilement avec eux, quoi. Mais ça, après, comme je t'ai dit, je ne le contrôle pas. Moi, une petite communauté me va. Ouais. Après, même en n'ayant pas de pas trop de communauté, je m'en sors très très bien. Hein. Je le vis pas plus mal non plus. Hein. Ok. Est-ce que ça fait quelque chose? Parce que là, j'ai rempli toutes les cases. Ok, il se passe rien de spécial. Est-ce qu'on a quelque chose qui... Ah oui, ici il y a quelque chose. Exposer 8 statuettes sur la bonne étagère de la forêt de la bénédiction. Ça veut dire quoi ça? Ok, là il m'en manquerait deux. D'accord, donc là on sait qu'il m'en manquerait deux. Et donc il y aurait peut-être dans la forêt des bénédictions la même chose. Alors fais voir. Alors ça fait un logo comme ça, oui, là, ici. Façonneur des merveilles. Et façonneur des merveilles. Ok. Time to go. Il est là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il me semblait qu'il y avait un truc là-bas, oui. Maintenant que... Ah, exact. Ok. Ok, alors voyons voir ce qu'il manque. Euh...
Alors, il manque une grenouille bleue, une grenouille jaune. Alors, une bleue, une jaune. Et ça, c'est violet, ça, on dirait. Par rapport aux autres, ouais, je peux pas me tromper. Ok. Allez, une grenouille. Ok, grenouille bleue. Lui, je l'avais pas, donc normalement on a les deux. Il manquerait un normalement. Si il manquerait la grenouille jaune, je crois. Pourtant j'ai les nouveaux, d'accord. Alors, fais voir. Oui, c'est ça. Il manquerait bien. Je peux, enfin, après tu sais, chaque personne est différente, mais oui, clairement, parler de tout et de rien me va largement. Oui, bah, clairement, oui, tu corresponds, sinon j'aurais coupé court, je pense. Après, pour pouvoir faire ça, ah, mais il y en avait un autre là. D'accord, ça correspondrait donc à celui-là que j'ai vu qui était en haut dans le village là-bas. Oui, après, on va dire que j'attends pas un type de personne en particulier. Après, si la personne est sympa, qu'elle n'est pas chiante, alors chiante, attention, hein, mais qu'elle est respectueuse et tout ça, moi ça me suffit. Hein. J'ai pas de préférence, on va dire, en âge, j'ai pas de préférence en... Voilà, même si moi, je... Un petit peu d'âge quand même, mais voilà, j'ai pas d'a priori de quoi que ce soit, quoi. Ce que je souhaite, c'est exiger, c'est... Indirectement, je l'exige aussi, quoi, c'est que les personnes soient correctes et respectueuses, quoi, c'est... Voilà, c'est la base, après, c'est rien d'exceptionnel, quoi. Et après, encore une fois, on est là pour tous passer un bon moment, autant moi que toi, que vous, je dirais. Je pense que vous êtes sur les lives pour passer des bons moments. Alors du coup, j'ai dit bleu. Non, j'ai dit jaune, il me manque. C'est ça? Oui, c'est ça, jaune. Ok, donc ici, jaune. Donc je pense que ça sert à rien que je fasse en... ça me paraît je pense que ça serait plus rentable que j'aille faire l'autre. Dans un premier temps. Alors, il est là-bas. Deux. Ok. Ok. Hein. Non, alors c'est pas des pavés qui dérangent. Enfin, bah, du moins, je pense pas. Hein. On va dire que les questions qui seraient, on va dire, plus dérangeantes, je dirais, si on parle de politique, si on parle de
de religion, si on parle là, voilà, on n'est pas là pour parler de politique, de religion, de quoi que ce soit, on est là pour passer un bon moment. Si on doit parler, on va parler jeu, on va parler loisirs, on va parler de tout ce qu'on veut. On va pas commencer à faire on va pas commencer à parler de choses, on va dire qui fâchent forcément, parce que de toute façon il y aura jamais des points de vue pareils sur ces sujets là donc Ok, allez, on va faire un point. Ok. Bon, il m'en manque un, pareil. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose non plus. Il me manque le mineur qui est debout. Ok. Je pense qu'on va faire un par un, du coup. Regarder si tu étais rare ou pas. Être un peu dur d'avoir le dernier. Je pense que ça va être dur d'avoir les derniers. Ok. Le voilà. Donc là, techniquement, on les a tous. Et voir ça. Alors. Yes, là on a tout. Ok, donc on va les exposer. Ok, alors là on a dit j'étais bon. Là j'ai pas fait l'expo, je vais y retourner. Là on était sur la première. Alors du coup il manquerait quoi sur la première? On a dit jaune. Jaune.
trouvé la dernière. Bah, il nous faudra encore des tickets du coup. Dommage. Ok, pour la dernière, il nous l'a donné. Ok, parfait. Ok. Ah non, j'ai assez de tickets a priori. Oui, j'ai assez de tickets. Je viens de voir qu'il m'en restait assez. Ah, on va exposer nos grenouilles. Ça. Ça. Comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas mis ça. Ouais, alors moi il y a un truc que j'adore faire sur Genshin, mais j'ai cruellement pas le temps. C'est la sérénité hier. Je kiffe la sérénité hier, un truc de fou, sauf que j'ai pas le temps. Ça prend tellement de temps, c'est infect. Mais vraiment, ça prend tellement de temps que c'est infect. Les photos, moi, j'ai pas. Alors, il y a. J'ai quelques photos qui sont très jolies. Qui. Avec des. Bah, quand je tombe sur des beaux points de vue et tout, oui, je. Vais avoir tendance à aller chercher le temps de la prendre, la photo et tout ça. J'ai quelques photos qui sont pas mal, mais c'est pas. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai pas rêvé, j'ai bien entendu un truc là. Comme si j'avais débloqué un coffre. Sauf que je sais pas où. Ah, en bas. Bizarre. Je pense pas sûr que ce soit celui-là. J'avais pas. Après, je me rappelle pas ce qui me manquait. On va aller voir. Histoire d'être sûr. Ah, ben j'ai tout débloqué. Ok, bon, on a tout. Parfait. Ok, ce sera pour la sérénité hier. Cool ça. Oh, il y en a encore. Ah. Alors, si tu vois le désir, c'est. Ah, et toi, manquer des façonnages. Comment je sais combien de façonnages j'ai fait? Alors. Ah, bonne question. Ceux-là, je les ai tous. Alors, voyons voir. Il me manque les mines. Et la métropole. Les mines et la métropole. Donc,
La métropole, j'y suis. Donc ça veut dire que là, il m'en manque. Donc j'en ai pas fait 30. Ok, aucun façonnage restant, donc je suppose que j'ai fait les 30. On va les vérifier. Oui, ça a l'air. Oui, c'est bon. Et donc là, il me reste les mines. Ok, donc je retourne aux mines. Les mines, elles sont où? Là. Alors après clairement sur les pour faire des fonds d'écran c'est le bon jeu, c'est des points de vue en cherchant il y en a énormément. C'est la folie tout ce qu'il peut y avoir. Ok, aucun façonnage restant, donc là techniquement j'ai fini aussi. D'accord. Là on est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a débloqué là? Ok. Et là il manque 5. Ok. Bon, on est pas mal. Ah, j'avais pas vu ça. Bon ben ma foi, prenons hein. Ah, pas cracher sur ça hein. Il y en a encore, qu'est-ce que j'ai raté? Oh, bon, faut en prendre. Ok, donc là on a fini, là il en reste un. Ok, allez, ça c'est bon. On peut reprendre la tiette. D'accord, ce serait l'endroit. The cohort of truth seekers followed Albizzi to his clan's sacred site. They arrived to the site of a giant guard towering over them. Up ahead is my clan's gigantified guard. He can be a little pig-headed, and he's incredibly strong. Your weapons won't even scratch him. Wait, but wasn't Cappe's clan the one that's all about strength? So, what do you guys believe in then? Well, the guard is one of Cappe's people. Size is a coveted trait in the clan of strength, after all. Mine is the clan of empathy, and our key contribution is... growth serum! What's empathetic about that? Our ancestors believed that, just maybe, the dragon of old didn't mean us any harm at all. Perhaps the dragon simply didn't notice us, since we are so very tiny. So, they drank the growth serum and grew even larger than the dragon. Then, they set the dragon down, calmly explained their perspective, and eventually taught it how to empathize. The serum isn't what it once was, though. Nowadays, it doesn't make you grow all that much, and it actually makes you lose your empathy. So, I advise we take a detour. Despite Albizzi's words of caution, somebody, no doubt, has other ideas. Je pense que j'ai beaucoup pris de photos à Sumeru. If we could just try to understand
Je trouve très jolie la map de Sumeru. Après, si j'avais pris des photos aussi sur la petite histoire de Liyue. Everyone, I have returned. I come with the long-awaited Marquis and their followers to search for the lost origins of our clan. Well, we weren't told anything about that this morning. Get out of here. Leave us alone. You and Albizzi only wanted to strike up a conversation with the guard. But since greeting you wasn't one of the items included in today's schedule, the relationship quickly soured. If you're just looking for a way in, why not consider taking the path on your left? Il y a de très belles photos à faire à Sumeru. Comme pas mal de villes, on va pas se mentir, mais... Why is my own clan treating me like a villain? You've been away too long. We all have. It feels like we've been waiting forever. We should be getting close. Why is this place so full of junk? Are you the kind of people who never throw away the box when you buy something? J'avais fait quelques photos aussi, il me semble, au niveau des pyramides. Sur le désert. Il y avait de très jolis points de vue aussi là-bas. We have a more pressing issue. It seems there's a slight problem with my clan's family crest. The Marquis may need to utilize their wisdom to solve the issue. Ah, il en manque une partie. Ouais, je vois à peu près ce que c'est. Ok. Wisdom too, huh? Well, you get... Over here! I found it! Yes! Keep the noise down! We don't want to alert the guard! I'll go keep watch. Can't you destroy the boxes a little more quietly? This is the last one. The signature. So it's true. Empathy is one of the founding virtues of Constellation Metropole too. Just as we suspected, all three are the truth. Okay. Well, this is a lot to process. I feel a little empty inside. Yes, we found the truth, but... There's too much truth. I get you. It's like in Inazuma, when there were only 6 books in the Mirage Warrior series, it was really popular. But by the time book number 88 came out, nobody wanted to read it. They all lost interest. A brief moment of joy is drowned out by a growing feeling of melancholy. But perhaps there is a glimmer of hope to be found too?
Anyone? Anyone? All right, I'll say it. How is it the case that these three versions of history can all be true at once? That's exactly what Paimon was wondering, but Boborano kind of already explained it away earlier. So Paimon was worried she'd look stupid for asking the question. It's not a stupid question at all, my dear little pixie. While I did postulate that different truths may coexist, there is an issue when it comes to these three truths in particular. The problem is, all three truths are the history of the exact same thing, namely the dragon and the Metropole's origins. Yet all three bear the signature, showing that they're genuine. Alors, on a Métionis, mais une cloche. The sound of a bell rings out. The bell! It rang once! What does that mean again? Ah, yes! Highest level of emergency! Everyone! To the main entrance! Stat! Bring all the glue traps and place them outside the gates! The whole city is on the lookout, and there's only one way out. It's the path right in front of you. Why'd they ring the bell anyway? Also, why is one ring the highest level of emergency? Obviously because you have to respond fast when it's an emergency. It'd be a bit too late if they... They're outside! After them! Still be needing this clockwork key, but I yoinked it out before we ran, just in case. Okay, but back to the truth problem. There are three conflicting versions of the truth, and somehow they're all still true. What is that supposed to mean? I don't know. I doubt anyone here in Simulanka can make sense of it. All we do know is that any manuscript bearing her signature has to be valid. Well, she is the goddess of fate, the creator of all this. And all these manuscripts are her grand design. The reason we argued about who was right was that we didn't know enough about the truth of the past. But now we have the truth. So we just have to accept it. As surely as we will follow the clockwork path designed for us, so is this the course that history has taken. It is clear and incontrovertible. We will never argue again. Thank you all. Is that all there is to it? Is this where the decision made at the first crossroads of destiny has led us to? A pointlessly happy ending? Overthinking it would be equally pointless. Well, that's enough for one day. Time to take a break. Could you be any more cryptic? You're planning something! Paimon knows it! Whatever happens, today was a breakthrough in my journey of discovery. I will go back and share it with my clan. Me too. And me. Let's leave it there for today then. I'm sure we'll find out what else Mr. Narrator has planned for us tomorrow. Ok. Ok, il faut attendre 8 heures. Eh bien, on va les passer directement. Hein. Alors, c'est le lendemain, on va prendre une marge, on sait jamais. Wherever in this world. What a beautiful day, thought the traveler, before she was overcome by a creeping sense of foreboding. It is the last link I have to the land of my birth. The voice in her head grew louder. Must go to Pendulum Lane. Pendulum Lane?
something must have happened here after all. Everyone's crowded around. Oh my god, this is terrible. I don't understand. The three great clans of Constellation Metropole have finally made peace with each other. Who could have done this? What happened? Oh no, someone's lying on the ground. Cappy! How did this happen? Cappy, you idiot! Wake up! You need to revise your last words or everyone's gonna start suspecting me! Last words? What did he say? If I wind up dead one day, the murderer was Boberano. Ugh, you could have at least pretended to not remember it. I'm sorry, Boberano, but this is an interrogation. I have to give the detective straight answers. Nah, don't worry, Boberano. I don't consider you a suspect, nor do I have the authority to charge anyone with a crime. So are you the last people to have had contact with him? My sincere condolences. You were travel companions, right? It's a real tragedy. I'm afraid he'll be out cold for another hour and a half, at least. Huh? Yeah, I know. It's despicable. Hitting someone in the back of the head is the second worst act of cruelty there is. The first being replacing their gear oil with extra strong glue. So, Cappy's not dead? His gears, metal frame, and shell are all still in excellent condition. It's just his energy supply that's been all messed up. Wait. But surely you can't be suggesting that just because Cape isn't broken, there's no need to go looking for the culprit. No, no! There's a need! Huge need! Unfortunately, this is rapidly turning into a cold case. There's no evidence and no witnesses. Unless there's an official clockwork pedestal or the goddess of prophecy around here somewhere. excuse me. Then suddenly, the long-lost dragon of old flew across the sky. Where? Where? I didn't see anything. Wait, why can't I move? Oh, my mistake. It was just a cloud. Or a bird. Or something. If only we could turn time backwards and replay the crime. Isn't that one of those, clockwork socket things right behind you? Ah, so it is. No wonder everyone here is suddenly struggling to move. Traveler, if you please, let's recreate the crime scene. Seems too chaotic. I can't make heads or tails of it. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Well, that clears it up. Cape was walking along the street, then he suddenly collapsed. What? So case closed? Aren't you supposed to investigate a little more? Well, we literally replayed the crime scene and saw it with our own eyes. There's no need for any evidence gathering or powers of deduction now. Like how Constellation Metropole has three histories, each of which is the truth. But didn't you say Cape was struck in the back of the head and knocked unconscious? For all I know, he could have bashed his head against a toilet bowl before leaving the house. Then we'll ask for why he might have done that. My guess is... Is? With the Supreme Clan question left unanswered and the tension in Constellation Metropole suddenly wiped away, he was looking to create a new source of conflict. Only then would the city feel alive again. Capable of that, though? Sounds like a pretty complicated conspiracy for the average Simulanka resident. Traveler,
something about the crime scene isn't sitting right with me. It just seems unnatural. Also, anything outside of the immediate area won't have appeared in the replay. Is it possible that something was missing from the scene? Why don't we search the area? Wait, what are you doing? Oh, we're gonna head to Cat Bay's house to check the toilet bowl for signs of an impact. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Non, je dirais pas non. Non, je dirais pas sur les persos. Je dirais plus l'histoire. Faire l'histoire plutôt. Les persos, c'est plus à. C'est plus une plus-value sur le jeu, quoi. Un peu comme les Zelda, je suis plus intéressé par l'histoire, quoi. Alors, on va chercher une cuvette de toilette, il paraît. You're not from these parts, are you? Just visiting? Yep, that's right. Why? What's up? Ah, well, I was gonna offer you a great job in the Toytanium mines. A safe and secure working environment. Doesn't sound very safe. At least, not as safe as being a courier. Après, le jeu a clairement pas trop de difficultés, donc vraiment plus intéressé par le lore de l'histoire que les persos. Après, évidemment, il y a des persos qui m'intéressent, ça va de soi. Mais on va dire que s'il n'y avait pas les persos, j'aurais quand même, quoi. Et le côté mini-jeu aussi que j'aime bien, là. La façon de découvrir aussi, le fait qu'à chaque extension de map et tout ça, ils trouvent toujours des mécanismes différents pour les coffres et tout ça. Tout ce côté-là, on va dire. Come.
Oh oui, c'est sûr, des trucs inutiles, il y en a. Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, j'ai bloqué le perso. Hop, ça va. Ok. On a retrouvé la pioche. Have you seen my spear by any chance? Someone was shouting about a dragon a minute ago and I instinctively threw it into the sky. Ouais, après le but c'est d'avoir le jeu à 100% quoi, les tout explose, tout le, toutes les quêtes et tout ça. Les persos, c'est vraiment une plus-value quoi. En plus, c'est un jeu qui, rien qu'avec les persos 4, tu passes. Tu fais tout ce que t'as besoin. There's a whole investigation into it, so I gotta close the shop while I do an inventory count. If it turns out I'm wrong and I miscounted, I could be charged with filing a false report and disturbing the peace. There's a strange potion bottle here. Looks so weird. Let's take it. Let's say one of these was the weapon used in the assault. Which one do you think it is? If it was the growth serum, Cappy would have been turned into a giant. Also, the bottle probably would have shattered when it hit him. We would have seen the debris on the ground! Let's say one of these was the weapon used in the assault. Which one do you think it is? If it was the pickaxe, Cappy sure is lucky it's not still lodged in his head. Actually, you're wrong there, Paimon. The foreman at the mine was just saying, this kind of pickaxe is designed not to damage titanium, so it couldn't cause any superficial damage to residents here. But you could probably knock someone out if you hit them hard enough, and it wouldn't leave a scratch. Let's take this back to the crime scene and replay it one more time. Ah, you're back. How was the toilet at Cappy's house? Toilet? What about it? Forget that. What's this about? Were you trying? We thought the way Cappy fell looked odd, so we searched the area for suspicious items and found this. It could have been deliberately placed out of range of the crime scene so it wouldn't show up when we replayed it. Now we've retrieved it, we were gonna replay it again. You don't mind, do you? I just remembered I forgot to turn off the clockwork switch in my kitchen. Je pense qu'il est très chelou, lui. Oh no, you stay right there. Je pense que nous tenons notre coupable. We should be good now. Comme par hasard, il a la pioche. Wherever in this world. So you're the attacker! This blade. It is the last. So, it was you! Ha 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 ha!
I would congratulate you for cracking the case, but since I did such an abysmal job of covering my tracks, didn't exactly have your work cut out for you. So, all I can say is... catch me if you can! We have a runner! That's it! Let me at him! The would-be Marquis of Carabas dispatched the Necromata in boots, who ran off in pursuit of the poor little minion. Minion's poor little lower back was protesting painfully against the intense physical activity. He decided to take the elevator, giving him a moment to catch his breath. Really? His lower back asked. But the minion had no other choice. He resolved to make the jump down. By this point, the Necromata in boots was gasping for air. The minion was huffing and puffing even more loudly. But we'll ignore that. I'm not! Don't underestimate the gold-level courier of the Comania Express! A characteristically catty response from the Necromata. Tell me, what do you hope to gain from bullying me? I get to let off some steam! Ha-ha! You fell into my trap! Oh, and by the way, remember the glue you got stuck on when you first entered the future Marquis' abode-to-be? That was also me. I did it using my powers. I'm so jealous of you guys right now. You can just jump out of your shoes and keep running, but I... wait, I'm wearing boots this time. Yes! The unnamed minion made a last-ditch escape attempt. He began his long climb, up the wall, the tall wall. He began his long climb up the tall wall. You call that a tall wall? In urgent Neko parcel mode, I'll scale it in no time. Alors... alors, t'as quatre collections, une collection de cailloux, une collection... D'accord... Ok... et salut Makomo... Makomo, oui. Bienvenue. Ouais, collectionneur aussi, oui. Alors plus... on va dire plus manga... manga, figurine, plus cartes. Très gros collectionneur. Eh bien, ça va bien, merci. Et toi? Et avec plaisir pour l'accueil, c'est normal. Since I did such an abysmal job of covering my tracks, didn't exactly have your work cut out for you. So, all I can say is catch me if you can. Et merci Makomo pour le follow. Marquis of Carabas dispatched the Necromata in boots, who ran off in pursuit of the poor little minion. Allez, on est reparti. Essayez de pas faire de bêtises cette fois-ci.
Minion's poor little lower back was protesting painfully against the intense physical activity. He decided to take the elevator, giving him a moment. Ah non, faut pas en être désolé de ne pas tout connaître. C'est tout à fait normal et après c'est pas grave. Si t'as besoin d'infos, t'hésites pas, de toute façon je ferai mon possible pour te renseigner. Really? His lower back asked, but the minion had no other choice. He resolved to make the jump down. Mais avec plaisir. By this point, the Necromancer in boots was gasping for air. The minion was huffing and puffing. Non, j'ai fait de la. Attends que l'énergie remonte. L'enduit, allez, c'est parti. Ok. Tell me, what do you hope to gain from bullying me? I get to let up some steam. No. Fell into my trap. Ouais, mais je pense que c'était fait exprès. Parce que c'est vrai que je me suis fait avoir exactement pareil. That was also me. I did it using my powers. Jealous of you guys right now. You can just jump out of your shoes and keep running, but I... Wait, I'm wearing boots this time. The unnamed minion made a last-ditch escape attempt. He began his long crawl, climb, up the wall, the tall wall. He began his long climb up the tall wall. Can you call that a tall wall? In urgent Neko parcel mode, I'll scare you. I surrender. You've got nowhere left to run. Alors, la comédienne chine, je dirais que... Je dirais que tu trouveras... un peu de tout, j'ai envie de dire. Et là, si c'est pas parce que c'est Genshin que c'est mieux, quoi. Faut tomber sur le bon, j'ai envie de dire. Voilà, je dirais pas que c'est parfait, loin de là, mais je dirais que. Alors, je vais pas noircir le tableau, et j'ai pas eu plus de problèmes que ça, mais la commu, elle est déjà énorme. Donc, de toute façon, exactement, faut juste tomber sur les bonnes personnes. Je pense que t'as bien résumé. Il faut juste tomber sur les bonnes personnes. C'est comme partout, il y a du bon et du pas bon. Alors après, oui, il y avait les filles, j'avoue qu'il y a certaines comiques qui sont assez lourdes. I was worried you wouldn't ask. The truth is, I was one of the first conscious beings ever made by the goddess of creation. And I've known for a long time. I know they say that fairy tales are just made up for kids to read. But I refuse to believe that fairy tales are just fictional stories and nothing more. The reason why Constellation Metropole has three origin stories is that the goddess of fate wrote three drafts and couldn't decide which one she liked best. Then her cat trod all over them, and they all got crumpled together, so the three worlds just sort of folded into one. The goddess of fate j'avoue que since she couldn't decide which ending was best for the dragon or the kids, so when she saw c'est une comique dure, ouais. Go with all three. J'avoue que c'est une comique dure. You're not a fictional character, so je peux pas dire le contraire. To understand my sorrow, honestly, I don't think there's anyone in all of Simulanka who would understand. Every day that I experience, every interaction. Après, le problème, c'est que du moment que la commu ramène tellement de monde, on va dire, et qu'il y a une sorte de dualité dans le gameplay, on va dire, déjà ça complique les choses. Et l'énervement fait dire souvent des choses. I have to motivate them to keep looking for answers.
Et on va dire que l'énervement sur ces jeux-là, il y en a légèrement. And I have to figure out, once and for all, while you real people from the outside world are still here, are we real? Aww. That's my full confession. Time for you to take me back. I'm guessing I'll probably be forced to make a public apology, then sentenced to half a day in solitary confinement. I definitely deserve half a day. Oh, also... Pass this message on to Cape Bobarano and Albizzi. Oh, mais du moment que c'est pas correct, c'est jamais très sympa à entendre. Ouais. Jointly by the ancestors of the three clans. If the three of them had any ability to cooperate whatsoever, they'd have been able to remove it by themselves. Over all these years. Et après, chaque personne est différente pour le prendre, pour le prendre différemment aussi, peu importe comment c'est dit, quoi. Oui, bah ça c'est la base, on va dire. Voilà, on va pas se leurrer, ça c'est la base. C'est épuisant, mais c'est la base. C'est la base, il faut qu'ils grandissent un petit peu. Après, t'as une commu qui est assez éclectique au niveau de l'âge. Tu vas voir beaucoup de très jeunes qui n'ont rien à faire sur ces jeux-là. Et... Non, mais je comprends, je te dis pas le contraire justement, mais ça c'est, on va dire que ces genres de bassesse, c'est la base, c'est la première chose que tu vas trouver en fait. C'est les attaques simples et ridicules quoi, mais c'est pour ça que je te dis que c'est la base, c'est-à-dire que là, là, la personne en face de toi est irrécupérable quoi. Voilà, c'est encore, ça serait un peu plus réfléchi, je dirais ok, mais là, là irrécupérable. Je peux pas dire mieux que irrécupérable. Après, comme je te dis, tu as une commu justement sur ces jeux-là qui, où en fait tu as une, tu retrouves tout type d'âge en fait. Et donc du coup, en gros, ça apporte énormément de problématiques. C'est ce qu'on disait, c'est des problématiques que t'as dans certains jeux, on en discutait un peu de ce sujet là tout à l'heure avec Shiriku, justement sur les communautés quoi. Moi je pense qu'un jeu, ces sujets là n'ont rien à faire dans un jeu, on est là pour s'amuser, pour passer du bon temps. Voilà, si on se retrouve avec des problématiques comme ça, pour moi ça n'a rien à faire dans les jeux quoi. Mais après ça c'est un peu comme les réseaux sociaux quoi, tu peux pas l'empêcher quoi. Voilà. Alors après comme je t'ai dit, tout dépend de la personne, et peut pas dire que c'est pas bien que ça te touche, on va dire que c'est normal quoi. Après, le plus dur, c'est d'en faire abstraction, quoi. Moi, je trouve normal que ça te touche, et puis après, c'est... Je te dis, c'est un problème de communauté. Ça, dans le monde actuel, j'ai envie de dire, sur ces jeux-là, ce genre de mentalité qui nous... C'est très compliqué à gérer pour moi, je sais pas comment ils font d'ailleurs. Ils arrivent déjà pas à gérer les cheaters, donc je me demande comment les comportements de ce type là ils arrivent à les gérer quoi. Je pense qu'on a laissé trop de possibilités, les générations en fait, je pense que c'est un problème générationnel quoi. T'avais certains jeux en fait qui étaient accessibles qu'à certains types de personnes, on va dire, voilà, c'était des jeux qui n'étaient pas forcément pour les ados et tout ça, et tu vas y retrouver en fait des personnes qui n'ont rien à faire ici, et en fait ça a accentué le... Je dis pas que c'est qu'un seul type de personne qui fait ça, mais ça a accentué cette problématique en fait, d'avoir toutes les générations sur des jeux comme ça. If someone ever convinced me that these delightful dimwits, Cape and Albizzi weren't real, I'd be devastated.
Normalement sur Genshin, ce que j'expliquais, t'as pas de dualité. Donc t'auras pas ce problème là. Ce que tu vas hélas, ça va. Je vais enlever des. Je vais enlever, on va dire, le côté beau que tu vois du jeu. Ce que tu peux trouver en fait sur le jeu, pour toi qui peut craindre un peu, c'est. Ben, comme t'es une fille, du coup, le fait que. Qu'il y en ait qui te draguent. On va dire, voilà, qui cherche à t'avoir en contact pour ni plus ni moins te drailler. Ou des trucs comme ça, quoi. Je pense que sur Genshin, il n'y a pas de dualité, donc tu trouveras pas des commentaires. Voilà, on n'a pas, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de. Le multi, c'est un multi qui aide, c'est pas un multi qui met au défi l'un et l'autre, quoi, on va dire. Contrairement au jeu que t'as nommé juste avant. Donc t'auras pas ce problème là, t'auras des problèmes différents, j'ai envie de dire. Staring into my eyes is ill-advised. Oui, ben ça c'est de toute façon, on va dire que. Pff, désolé, mais en tant que fille, tu vas être amenée à avoir des problématiques de ce type là. C'est. Je sais pas comment dire, c'est épuisant. Mais oui, moi je joue avec une copine qui. Ouais, clairement qui est de mon âge déjà. Donc du coup, ses mentalités passent au-dessus, mais on est déjà tombé sur des personnes un peu comme ça. Alors après, vu que là je fais qu'on est. Plutôt bien posé dans notre tête et on en a vu des choses, on réagit beaucoup, enfin on réagit vraiment différemment quoi. Pas que je dise que je connais pas les âges et tout ça, pas que je dise que vous êtes différents quoi, c'est pas ça, c'est comme je t'ai dit, chaque personne est différente et réagit aux contraintes différemment. Mais non, ça changera pas, Non, alors pour avoir quelques années devant moi et avoir côtoyé l'humain, je pense que ça ne changera pas. Désolé, hein. Je pense que je viens de ruiner l'espérance, mais hélas. Bah au bout d'un moment oui, on va dire j'ai eu des problématiques différentes, donc j'ai été soumis à des commentaires autres, donc oui je comprends la problématique aussi, et oui au bout d'un moment ça me passe au-dessus, oui. Ça fait bien longtemps que ça me passe au-dessus, oui. Bon, tu t'apercevras que l'humain est compliqué. Désolé, ça c'est un sujet qui est. Mais oui, l'humain est très compliqué. Il a des très très bons côtés, hein, mais il en a des mauvais aussi. Hein. D'accord, j'avais pas compris. Faut que je l'empêche de tomber, ok. Faut que j'aille plus vite que lui. Eh oui, bah après, voilà, c'est comme je te disais, c'est. Après, ce que j'ai résumé avec Shuriku tout à l'heure, quoi, sur mon stream,
S'il n'y aura pas de moi en travers, parce que j'ai pas besoin de ça. Je suis pas là pour avoir des viewers en quantité. C'est pas ce que je cherche. Je cherche plutôt la qualité, la simplicité. Voilà, donc. Tout le monde est le bienvenu du moment qu'il est correct, qu'il est honnête, qu'il n'est pas un mot de plus haut que l'autre. Voilà, on est là pour tous passer un bon moment, sans prise de tête. On est sur un jeu sympa, on prend plaisir. Alors, on va essayer de... Ah, ça change en plus. Que du bonheur. Ok. C'est quoi, ça serait... Je vois pas le désir. Bon, ça va être un coup pour rien encore. Ok. Alors, Something you wish to report? Oh bah oui, tu vois, il faut pas noircir trop le tableau, il y a pas que des du noir hein, clairement. Après c'est comme partout, comme je t'ai dit, tu trouveras toujours des brebis galeuses, comme je dirais. Après Genshin, clairement, comme je t'ai dit, il n'y a pas trop de dualité, donc tu devrais trouver pas mal de personnes qui aident et qui conseillent. Ça, après, j'en doute pas. Alors, ok, je vais refaire lui. Celui, je sais ce qu'il faut faire. Après clairement, hésite pas, t'es combien au niveau, je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas regardé, t'as commencé il y a pas longtemps, mais je me rappelle plus si t'avais dit quel niveau t'étais. Je veux bien que tu me redises le niveau que t'es. Normalement il devrait aller au bout. Ok, deuxième il est bon. What greater pleasure is there than the unexpected? Marche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Là, on va passer par là. On aura deux choix. On a un choix qui craint et un choix qui craint pas. Par contre, comment lui faire bien choisir? Je vois pas de panne de barrière. Ça va être peut-être une histoire de barrière. C'est pas trop. Je te bloquerai bien. Ah, il demande la direction.
c'était pas ça là. Ah bon. J'ai eu peur, je vois pas pourquoi elle est partie vers la colle. Ok. What greater pleasure is there than the unexpected? Ok, là on est bon. C'est un cache-cache, ok. Ok. Bon, on est pas mal. Alors, voyons voir. Voilà, a priori, j'ai arrêté de gagner des choses. Ok, j'ai fini ça là, il me reste cette quête là. Ok, c'était la quête de Sumeru. D'accord. Ok. La tête de Sumeru à finir. Là, il y en a une. Vous dessinez, je piétine. Je ne comprends pas. Faudrait pas qu'il saute sur le deuxième. Comment je fais là? Non. Voilà. Je ne comprends pas. Faut taper quand c'est sur rouge. Ah.
Ouais, non, je attends. Alors. Bonjour, DXDJ, bienvenue déjà. Enchanté. Faut taper quand c'est rouge. Donc vert, bleu, rouge. Et quand le rouge s'allume, de suite. Tap. Alors, ok. Non, ça doit pas faire ça. On comprend pas. Je s'avère pas avant et donc après je tape sur rouge. Okay. Oh, ah ouais, ah ouais, ok, je n'aurais pas trouvé. Pas merci, je n'aurais pas trouvé. Je n'avais carrément pas compris le mécanisme. Ah, ok. Alors, c'est quoi le build d'Arlecchino? Alors, le build d'Arlecchino. Non. Arme signature, bien évidemment. On est sur un set harmonie. Voici la fleur, la plume, sablier, la coupe, la coiffe, les stats. Fait partie des persos que je farm et qui ça tombe pas. Non, c'est pas joli. Non. Enfin oui, c'est non, c'est pas joli. Fait partie des sets qui me font la gueule en ce moment. Y compris le maréchaussée qui depuis qu'il est sorti me fait la gueule et que je n'en peux plus et que j'attends la 5.0 pour enfin pouvoir faire ce que je veux sur ce sur ces sets, enfin faire ce que je veux, on va dire qu'avoir provoqué un peu plus la chance quoi, parce que ça m'énerve, mon de Dieu que ça m'énerve. Un maréchaussée pareil, le maréchaussée, je sais pas combien de fois je l'ai fait ce donjon, j'en sais rien mais j'en peux plus, d'ailleurs j'ai arrêté de le faire un peu parce que ça me saoule. Oh mon Dieu. Mais bon, c'est le jeu qui est comme ça, on n'a pas le choix. Faut en passer par là. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd. C'est clairement pas mon meilleur perso au niveau des stats, mais...
Voilà, c'est pas... J'ai des persos avec des stats bien plus sympas, mais voilà. Bon, après, je travaille le sujet. C'est, après, c'est un perso qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça, en gros. Voilà, faut patienter, ça va venir. Ça va finir par venir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Ok. Je pense que tout le monde attend la 5.0, clairement. On serait bête de dire que qu'on n'attend pas la 5.0. Aïe. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Certainly worth the extra mile. Ah ouais, mais c'est dur d'aller chercher un perso alors que Atlan arrive. Ah, j'avoue, vous êtes courageux. Ah oui, vous êtes courageux là. Jamais j'aurais fait ça, moi. Ah, surtout qu'on a été on a eu quand même des persos de, enfin on a eu les visuels et les gameplay un petit peu des personnes, non, surtout les visuels déjà depuis un petit moment. Ah, je sais pas, mais ah, c'est chaud. Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai zappé même les personnes, enfin même ce que je voulais en fait. Ah oui, moi j'ai tout zappé exprès pour Natlan. Et moi, la copine, elle a été chercher, le perso, pareil. Non, je lui ai dit clairement, il me dit, moi je vais pas chercher du tout, quoi. Non, quand j'ai vu, je voulais aller chercher l'arme de Furina, j'ai même pas été chercher l'arme de Furina, je l'aurai quand elle repassera. Non, il y a trop de persos dingues qui arrivent, hein. Non. Ah, et elle, c'est pareil, je crois qu'elle voulait avancer la pitié, et puis elle a tenu tomber sur Emily, quoi. Elle m'a dit, j'ai commencé à avancer la pitié, et puis bim, Emily. Ah, j'avoue, c'est dur. Ah oui, là, vraiment, les persos qui arrivent... Alors après, moi, je veux toujours voir les gameplays avant de me décider, mais... Alors, sauf l'Archon, évidemment, puisque l'Archon est sûr et certain que j'y vais dessus sans réfléchir, comme d'habitude, quoi. Mais oui, c'est... c'est compliqué, là. Je suis d'accord, mais j'arrive pas à me faire à ça, moi. J'arrive pas à me faire à ça, et je suis obligé de... Ouais, j'aurais cru que c'était un event de... Je me suis fait avoir, là. Ah, non. Raté. Bon, ouais, super. Ok.
regarde le chat après, désolé. Ok. Alors, oui, il y a plein de primo, ah, c'est sûr, je suis d'accord. Ouais, mais c'est dur. Alors moi j'essaie d'être raisonnable, j'essaie de pas trop payer justement. Je prends pas de pack, j'essaie de... Voilà, j'essaie d'être raisonnable de ce côté-là. Après c'est, j'avoue que c'est jamais facile, mais pour l'instant ça va. Alors, au début du jeu c'est compliqué parce que t'as pas beaucoup de perso et t'aimerais bien en avoir plein. Et j'avoue que c'est problématique au début. À la limite là où je suis actuellement, j'arrive assez facilement à économiser quoi. Après je me limitais clairement. Voilà, je suis obligé de zapper des persos et tout. Mais après voilà, si le gameplay m'intéresse pas déjà, je me dis c'est pas la peine, je vais pas le jouer de toute façon, donc c'est mort, ça sert à rien que j'y aille quoi. Mais j'avoue que c'est dur, hein, c'est dur. Bah, je joue aussi, alors je sais pas, alors moi je dirais pas, non je joue pas depuis la 1.0, je pense pas. Je me rappelle plus laquelle, combien c'était moi quand j'ai commencé. Moi j'ai commencé, fin de bannière d'Ayaka. Pour donner un peu un ordre d'idée. .0, ouais, je pense qu'il fait partie des je pense qu'il, ouais, oui je pense que, ouais, 4 ans, ouais, mais moi aussi ça fait à peu près, je dirais 4 ans, mais je sais pas, c'était quoi la bannière des 1.0, tu te rappelles quel personnage était la vedette du de la 1.0, ou du moins les personnages? Oh, 20 clés, ah oui, c'est avant moi. Oui, 20 lits, c'est avant moi, c'est vraiment... Oui, moi j'ai pas connu... Enfin, moi je suis arrivé, c'était... c'était Ayaka, donc on était sur de la... On était déjà sur les îles... Ouais, d'accord. Ouais, vraiment début, quoi. Ouais. Non, c'est possible, ouais. Je te fais confiance sur le 2.0 Ayaka, c'est possible. De toute façon, c'était anniversaire puisque j'ai commencé, c'était mois de juillet ou mois d'août. Donc ça correspondait à ça, ouais. Ça devait être début de. Ouais, même plutôt mois d'août, je dirais, ouais. Non, c'était plutôt mois d'août. Donc oui, ça correspondrait à début de cycle, quoi. Je peux voir si tu les as mis en... Tu les as mis en vitrine ou pas. Après, je suis pas un pro de la... ok. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Alors...
Ouais, il me semble qu'il y avait un cap recharge d'énergie, je me rappelle plus sur Harley, mais il me semble qu'il y avait un cap. Ce que j'ai pas non plus. Ça te fait combien en stats? Je pense qu'il te faudrait un peu plus de taux critique. Je sais plus à combien était le taux de recharge d'énergie. Par contre, je pense que le critique il est trop limite. Je sais pas s'il est pas. Alors, Arlecchino, c'est quoi déjà? Je crois qu'il est plus haut sur Arlecchino. Pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est plus haut de mémoire. Furina. Oh, what the fuck. Il me semble, j'aurais dit 80 aussi. Il me semble qu'il est très haut celui-là de d'Arlecchino. T'es pas à 80 si? Non, il me semble qu'il est assez haut. Hein. J'ai pas vu, attends, je vais mal regarder. Ah non, autant pour moi, j'ai mal regardé. Oui, 80, t'es largement suffisant. Non, non, non. Il est 123, ouais. Non, je pense que les stats elles sont bonnes. Non, non, autant pour moi, j'avais pas vu que c'était 80. J'ai dû regarder une pièce au lieu de regarder la. Au lieu de regarder les vraies stats. Je sais pas ce que j'ai regardé tout à l'heure, mais non, non, 80, t'es largement bon. Pour moi, c'est on est dans les 70, il me semble que c'est 70-75, donc après les 200 de dommages critiques, et il me semblait que c'est 110, je crois, en recharge d'énergie, de mémoire. Non, non, pour moi, c'est bon, ça correspond. Elle doit taper plus que la mienne, c'est sûr. Et après Furina, je me rappelle plus des stats, mais on va toujours regarder. Ouais, ça, par contre, l'épée, on le voit le joueur depuis le départ. Arme qui n'est plus disponible. Moi, ça ne sent pas trop mal. J'aurais dit 65, moi, ici, de mémoire. Pas sûr à 100%, mais je crois que c'était 65 qu'elle demandait en taux critique. Faudrait que tu essayes de voir. Il me semble que c'était 65. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors, je sais plus si j'ai la. Je vais regarder la mienne. Perso, sur l'ancien compte, j'ai commencé en mars 2001. 2021, pardon. Oh, deux comptes. Waouh. Il me semble que moi, je sais plus si Furina, j'avais. Alors, Furina. Ouais, ouais, moi je suis limite aussi, je suis à 57, il me manque aussi. Ah ouais, il me manque aussi, mais il me semble que 65 de mémoire. Ah oui, moi le Tao, ouais, le Tao, moi je l'aime bien aussi. C'est des persos que. Mais c'est pareil, c'est aller sur l'ancien, aller sur l'ancien stuff. Il y a des stuffs qui seraient plus avantageux aujourd'hui pour elle, mais je suis toujours sur l'ancien stuff. Bah oui, après c'est le problème, c'est aller refaire un stuff alors que déjà j'ai pas mal de. J'ai pas mal de choses à faire. Non, mais moi, il m'en manque.
Après voilà, et si ça tape très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Elle m'a aidé sur pas mal de choses, Lita, ouais. Ça je vais faire. Bah oui, hein. On peut dire ce qu'on veut. Ouais, t'es un peu plus haut ici, hein. C'est ce que j'arrive pas à faire. Hein. Ok. Ah mais les artefacts clairement c'est dur dur, c'est pour ça que ce qu'ils ont annoncé pour la 5.0 me remotive justement dans un premier temps à attendre, à moins aller chercher les stuff et tout ça et me dire que, bah, que ça va aller mieux à partir de là. Hein. Parce que combien d'artefacts m'ont chié dessus, hein. Je saurais plus dire combien. Merci DXDJ, j'avais pas vu pour le follow. Merci bien. Merci, merci. Oui, oui, les artefacts c'est très très dur. C'est pour ça que enfin ils commencent à donner la possibilité de limiter les choses. C'était nécessaire, on va dire. Hein. Parce que c'est, je suis d'accord que c'est la chance. Pas de problème avec ça, la chance. Mais il faudrait qu'elle tourne un peu de temps en temps, quoi. Et le problème c'est qu'elle est longue à tourner, quoi. Maréchaussée. Je sais plus comment on fait, je sais pas si on peut le voir, mais j'ai pas retrié depuis la dernière fois. Je sais pas si on peut le voir, je vais essayer de la... Mais alors, maréchaussée... Bah si, bon, on les a là, hein. Voilà. On peut pas dire que je farme pas. Voilà. On peut pas dire que je farme pas, voilà. On peut pas dire que je sais pas, quoi. On peut pas dire. Ah. Moi, je veux bien hein, qu'on me dise qu'il faut que j'insiste. Je comprends. Mais je comprends tout à fait qu'on pourrait me dire qu'il faut que j'insiste. Mais même l'ombre de la verte chasseuse, quoi. J'essaye d'avoir pour Kazuha tout ça qui est toujours pas... Mais même là, ça tombe pas, quoi. Ça rend fou, quoi. Et on peut voir que, bon, niveau acharnement, je pense que les donjons, là, je sais pas combien il y en a, mais... Alors, je pense que les maréchaussées, j'avais trié, parce que les maréchaussées, c'était pareil, j'avais un stock infâme. Et, non, c'est... Alors, les rêves dorés, c'est... Et puis, rêves dorés, puis souvenir de la forêt, je sais pas trop à me plaindre, c'est bien tombé. Manaïda est de mémoire est très bien. Mais par contre, voilà, c'est. Il me semble que Manaïda est très bien. Ah non. Il en manque. C'était qui que j'avais fait qui était bien. Je me rappelle plus. Lui, je crois qu'il est. Ouais, lui, il est bien. Lui, il est même très bien. Elle a des stats de bâtard un peu. Ouais. Pourtant, il me semblait que. Alors, je sais plus si c'était. Ah, il y en avait un qui était tombé qui était. Putain, pourtant, il me semblait que c'était Naïda. Hein. Marrant ça. Ouais, bon, les stats sont pas vilaines, mais on n'arrive pas au compte, quoi. Ouais, je crois qu'il n'y a qu'un seul élément qui me. Ah non, là c'était de la... Oui, je me rappelle. Non, c'est parce qu'il faut aller chercher la maîtrise.
Oui, non, c'est la quantité de maîtrise sur Naïda. Et oui, la maîtrise, oui, on est là, on a largement ce qu'il faut, oui, c'est ça. On n'obtient pas le reste, mais oui, c'est ça. Si, elle est bien. Bon, c'est pareil, elle, avec les... ceux-là, là, les emblèmes du destin brisé, oh mon dieu, que j'en ai bouffé de ça aussi. Ah ouais, ça m'épuise, je te jure, c'est... Donc c'est pour ça, la 5.0, franchement, va me faire revivre. Et je suis très content de ça. Parce que quand je vois la quantité que j'ai, je me dis qu'enfin, on va peut-être pouvoir avancer. Dans le bon sens. Ah, de fou, ouais, de fou. Les changements qu'ils apportent sont très intéressants. Ils me tardent de... Je vais encore bouffer des heures à faire le stuff et tout ça, mais c'est pas grave, il y a des très très bons changements. Et c'est pareil, l'appétit de l'arme réduite, enfin le chemin, pardon, c'est pas l'appétit, c'est le chemin. C'est de tous les jeux que j'ai fait, c'est le chemin le plus infect qui peut exister, quoi. Et Dieu sait qu'il m'a fait mal, ce chemin. Ah oui, ce chemin-là, il m'a... Ah, il m'a fait mal. Ah, il m'a fait mal il n'y a pas longtemps, en plus. Non, non, c'est... Vivement, vivement. Bon, ça va, on est proche. Il ne reste plus... Ah oui, le chemin, il est... Moi, c'était pas Alekino, c'était c'était Neuvillette. C'était Neuvillette. Et avant, c'était il semble que c'était Naïda. Sur Neuvillette en plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait le bâton d'Oma. Et je me suis dit, bon vas-y, le chemin divin, il est merdique, mais ça va. Et je dis, il y a le bâton d'Oma, au pire, c'est pas grave, il est jouable sur plein de persos ce bâton, donc au pire tant pis. Et voilà pas que je me tape une âme hors bannière. Ça devrait pas exister. Ça devrait pas. Ça devrait pas. C'est pire que tout. Encore j'aurais eu un bâton d'Oma pour... Pourquoi pas quoi. Mais c'est pire que tout, c'est pire que tout. Certaines bannières, t'as le choix des deux, on va dire. Bon, au pire, tu te dis si c'est pas l'un, c'est l'autre, ça va. Mais quand en plus ça sort hors bannière, oh là là, non, mais... pas possible. Ils ont pas le droit, des chemins comme ça, ils ont pas le droit. Et à chaque fois que j'ai fait la bannière, que j'ai fait le chemin en trois fois, là, à chaque fois, il y avait toujours. J'ai toujours eu en premier. L'arme que je voulais pas. En deuxième, une arme hors bannière. Et en troisième, justement, l'arme que je voulais. Ça a toujours été comme ça. Et alors, évidemment, moi, à chaque fois, les deux,
Parce que les deux que je me rappelle que j'ai perdu sur la... Je crois que c'est la berge de la voûte d'azur, donc l'arme à deux mains. Faut savoir que je ne joue pratiquement pas les persos avec arme à deux mains. Je joue très peu de persos, voire quasiment pas quoi. Je sais même pas, je crois que le seul perso que je jouais c'est Eula. Et je joue... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué Eula. Donc tous ces changements là, ils sont bienvenus. Il me tarde vraiment. Je vais pouvoir repartir sur le farm de d'artefacts. En plus, il devrait rajouter énormément d'artefacts à la fabrication. Donc, et pareil, a priori, on pourrait avoir, en détruisant les artefacts, on pourrait avoir des potions pour les artefacts. Non, c'est bien, des bonnes choses, quoi. Oui, ben c'est pareil. Alors moi, c'est en gros, c'est pareil. La deuxième problématique que j'ai, c'est que j'aime pas trop les persos qui jouent arc. Donc du coup, en fait, j'ai c'est pareil. En fait, les bannières où il y a un arc, en général, j'y vais pas du tout. Parce que personnellement, s'il y a un arc qui tombe, je suis dégoûté. Parce que moi, là, je sais clairement que j'ai très peu de chances que je joue. La seule bannière que j'ai fait où il y avait un arc, c'est l'arc de Yelan, parce que dessus il y avait, alors déjà j'ai joué, c'est la seule seul perso archer que je joue. Non, je joue aussi Fischl, c'est vrai, je joue aussi Fischl, mais c'est le seul perso où j'étais chercher l'arme, on va dire, Yelan, parce que elle va très bien avec Tao et avec pas mal de persos d'ailleurs aussi. Et donc du coup ça m'intéressait franchement. Et donc j'étais dessus, mais par contre la deuxième arme c'était une arme pareille qui m'intéressait. Et donc du coup en fait j'ai pas eu de regret d'y aller dessus quoi. Ah mais moi je fais un chemin divin, je me top deux arcs. Ah mon dieu, je suis pas prêt de le digérer non plus. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Bon en fait moi j'essaye d'avoir en gros moi on va dire que pour les persos mon but bon, c'est d'avoir les 5 étoiles que j'aime bien. Et si le personnage est un, on va dire, est un archon, ou alors un main DPS, là dans ces cas-là, je veux aller chercher l'arme signature. Voilà, donc si le perso est main DPS, ou si c'est un archon. Voilà, c'est les deux cas où je vais chercher l'arme. Ouais, je sais, je suis un peu spécial, ouais. Un peu spécial, mais ouais, c'est des voilà, c'est choses qui font que c'est un peu ma ligne de conduite, quoi. Donc en général, tous les persos que je joue qui sont main DPS, en général, ils ont leurs armes signature. Et tous les archons, du coup, à part Furina, du coup, que j'ai zappé parce que Natlan arrive, n'a pas son arme signature, mais j'espère pouvoir aller chercher quand elle repassera. Après c'est pareil, je vais pas forcément chercher les doublons.
des persos vedettes. Parce que je trouve que voilà, ça suffit tellement bien les persos, de les avoir déjà les persos quoi. Et sauf évidemment ceux où ça apporte vraiment une différence. Et là-dessus, on en a des persos. Utao, pour ceux qui l'ont joué, c'est zéro, c'est injouable. Voilà. C'est carrément injouable. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux aller chercher les doublons qui permettent de la jouer plus facilement, quoi. Ouais, mais après tu verras quand t'as fait, quand déjà t'as eu tous les persos, comme je, là où je suis moi, quoi, on va dire, quand tu commences à avoir tous les persos 5 étoiles et tout, bah tu finis par aller chercher quand même les, tu finis par aller chercher les armes, quoi. Alors je te dis, tu vas pas chercher toutes les armes, mais je pense que avec la 5.0, on aura plus de facilité, il y a plus de personnes qui vont pull sur les armes. Avec 6 ans connus jusqu'à présent et la facilité qu'on va avoir, il y a de très fortes chances qu'on en vienne là. Parce qu'en gros, la 5.0, elle apporte un chemin différent et qui va donner la possibilité d'aller chercher l'arme plus facilement avec un coût vraiment réduit. Et je pense que ça va changer la donne sur les bannières. Je pense que le changement qu'ils font, il est pas mauvais en soi. Et justement, je pense qu'il va leur apporter encore plus. Parce que les gens, à la fin, quand tu sais que t'as 3 fois à faire, bah clairement, l'arme, tu vas pas la chercher, quoi. Par contre, si tu sais que c'est 1 fois sur 2, t'as 1 chance sur 2, par contre, c'est plus la même, quoi. Donc je pense clairement que ça va changer la donne. Pour moi, ça changera la donne. Je pense que plus de personnes vont pull sur les armes. Et après, comme je t'ai dit, ceux qui sont quand même pas mal avancés, qui jouent depuis le début et tout, commencent à avoir les persos, tout ça, si vraiment les armes les intéressent, ils auront plus de facilité à y aller. Donc là, peut-être pas là, puisqu'on va arriver sur une nouvelle extension avec des nouveaux personnages, donc là... Mais sur Dereren, c'est... Sauf si tu cherches les doublons, en gros, si le Reren, t'as déjà le perso, tu sais... Si t'as des primos, bah, en général, tu vas chercher l'arme. Hein. En général, moi, c'est ce que je faisais au début. Sur la première arrivée du perso, j'allais chercher le perso. Et sur son retour, j'allais chercher l'arme. Oui, alors évidemment, oui, vu comme ça, oui, oui, ouais, ça se comprend. Oui, c'est ça, en général, c'est ce que je te disais, c'est en général, quand t'as le perso, bah tu vas essayer de la fois d'après d'aller chercher l'arme. Et après, je te dis, plus ça va, plus avec le temps, bah tu peux te le permettre. Parce que si tu tombes sur des reruns qui sont pas intéressants, ou que t'as déjà le perso, et que tu es pas un farmer de doublons, on va dire. Si le doublon t'intéresse pas, bah en général, bah tu vas peut-être plus zapper le doublon et peut-être aller chercher l'arme à la place, quoi. Alors après, moi, comme je te dis, je me maintiens les archons et les mains DPS. Thank you.
plus là d'après ce que l'on a pu voir avec l'arrivée de d'Arlecchino, c'est que et alors il n'y a pas que Arlecchino, il y a aussi mince comment ça s'appelle Navia. Oui, je crois, il me semble que c'est Navia. On a des armes changeantes. Et on va dire quand même que les armes qui se transforment seraient vachement stylées quoi. Là-bas. Ah mais de toute façon serait en haut. Il y a un étage. Hein, peut-être. Oui, mais de toute façon, faut essayer de se renouveler de temps en temps et le fait de. Ouais, là je pars. Non, je pense que j'ai pas bien fait de prendre les. Non, là je m'éloigne, clairement. Je peux pas sortir, ok. Bon, je vais attendre. Clairement, c'est oui, c'est un moyen de relancer l'attirance justement pour les armes, quoi. Parce que les armes, c'est à mon avis, c'est pas là-dessus que les gens sur Genshin avaient tendance à aller. Sauf que quand l'arme elle a un style, parce qu'on va dire que les dernières armes qu'ils ont faites sont quand même vachement belles, quoi. Donc forcément, tu t'incites à. T'incite plus facilement à aller sur les armes quoi. Et en rajoutant, je te dis, le système de pity là, je suis quasiment sûr que ça va renouveler les choses. Ouais. C'est à l'extérieur. J'ai pas vu. Oui, bah après ça va avec la, ça va avec la question que tu posais tout à l'heure un petit peu aussi, la région que t'aimes, le personnage préféré. Oui, bon bah, le personnage préféré, de toute façon il n'y a pas d'autre là-dessus, c'est Utao quoi. Alors après c'est pas le seul que j'aime, mais on va dire que c'est le premier qui a fait tilt, donc c'est pour ça que je le laisserai toujours premier quoi. Même si aujourd'hui il y a des gameplays qui sont plus mais ça c'est normal aussi, qui sont plus intéressants et tout, mais Utao ça reste Utao quoi.
D'accord. Puis après, dans si je devais donner pour donc pour les 5 étoiles et si je devais donner pour les 4 étoiles, moi ce serait Bennett. C'est vrai qu'en plus ces deux persos sont feu. Ah ouais, mais oui. Bennett, c'est pareil. Bennett, je l'ai eu dès le départ. Je crois que c'est mon premier perso. 4 étoiles que j'ai. Et j'avoue qu'il m'a pas quitté pendant... Ouh là là, pendant très très longtemps. D'accord. D'accord, vous avez une blague sur lui, ok. Ouais, après méchant, c'est... Faut le prendre à la riolette, c'est tout. Ça oui, bah oui, 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 bah ça on est d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas de chance. Ok, parler à Tinaï.
Bah, c'est exactement pour ça que je suis sur ce jeu, on va dire. C'est passé exactement la même chose pour moi. Là, c'est la copine, justement, qui a les 100%, là, qui... en gros, qui arrivait pas trop sur le jeu, qui avait des problèmes sur le jeu, et qui arrêtait pas de me tanner. Elle m'a tanné pendant... Ouais, pas loin d'un an, je dirais. Elle m'a dit, faut que t'essayes, tu vas aimer. Quand j'ai commencé, j'avais pas trop de jeux à jouer. Donc j'ai dit, tu sais pas, je vais l'installer ton jeu, je vais le tester. Et en gros, c'est moi qui ai pu la débloquer en lui expliquant en fait les erreurs qu'elle avait fait. Parce que en fait, quand t'es débutant, il est très facile de faire des erreurs qui sont très dures à rattraper. Et donc du coup, j'ai rattrapé les erreurs avec elle, les erreurs qu'elle avait fait et tout ça. Et puis voilà. Et du coup, depuis ce jour-là, je suis toujours sur le jeu. Et comme tu dis, oui, il aspire notre arme. Ça, c'est sûr. Donc oui, si elle regarde la rediffusion du live, elle se reconnaîtra. J'en suis sûr. En même temps, si le jeu était pas bien, il s'y serait pas mis. Donc, même si t'en parlais que le jeu est pas bien, on va dire, les personnes seraient passées à côté sans s'arrêter, quoi. Donc, on est d'accord qu'on a quand même un jeu qui est vachement accrocheur, quoi.
Eh bien, écoute, une bonne soirée à toi, Shiriku. Merci d'avoir passé la soirée avec moi. Je te souhaite une bonne nuit. Je te dis par la prochaine. Bye bye. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you?
Take it easy.
Take it easy.